Salut tout le monde, c'est Trisox, comment allez-vous? En tout cas, ça va très très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale. Et pour cette vidéo, aujourd'hui, nous allons revenir sur l'événement du week-end, donc le concert de Travis Scott qui a eu lieu plusieurs fois, donc de mercredi, non, de jeudi à dimanche. Donc, moi j'ai regardé un seul concert parce que voilà, le regarder 2, 3, 4, 5 fois, ça ne sert strictement à rien. Peut-être deux fois encore pour revoir un peu pour mieux voir, mais regarder 5 fois, je trouve du temps perdu entre guillemets, donc voilà. Mais franchement, ce concert, c'était un kiff vraiment. Tout était bien fait, les graphismes, tout était préparé. Bon, malgré qu'il y ait eu un petit moment d'attente au moment du chronomètre, ils ont ajouté à peu près 4-5 minutes de plus, donc j'ai regardé moi de jeudi à 1h du matin. Voilà, je voulais en faire une vidéo, mais malheureusement, l'upload durait beaucoup, beaucoup trop longtemps. Je me suis dit, bon, allez, c'est pas grave, il y aura plein d'autres vidéos. Donc voilà, donc si vous l'avez raté, n'hésitez pas à aller regarder sur YouTube. Bon, je pense que vous le savez, mais normalement, en 5 jours, sachant que c'est le confinement, vous n'avez pas dû le rater. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vais parler un peu de mon avis et tout, mais voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais moi, j'ai trouvé l'événement mais ouf, vraiment, qu'ils soient en XXL comme ça, c'est vraiment ouf. Les transitions entre chaque, enfin, il y a plusieurs scènes, il y a selon les musiques et tout, les couleurs, elles étaient ouf. Donc voilà, c'est un truc, tu vois. C'est bien hein, d'avoir des événements comme ça à Fortnite, tu vois. Moi je préfère d'autres événements, pas des chansons, tu vois. Bon, après, il n'y en a pas souvent comparé à celui de Marshmello. Franchement, il n'y a rien à voir entre Marshmello et lui. Mais j'avais bien aimé Marshmello, mais alors lui c'était une tuerie. Mais moi, ce que je veux en fait, c'est qu'ils mettent du contenu dans le jeu, qu'ils mettent plusieurs compétitions. Parce que, à vrai dire, tu vois, c'est un événement, ok, c'est cool, mais un événement ça dure 15 minutes, enfin, tu vois. C'est. Enfin voilà, moi je trouve que faut qu'ils rajoutent des trucs, c'est pas comme ça, parce qu'il y en a qui ont dit, voilà, vous disiez que Fortnite est mort et tout, mais. Non, 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 Fortnite n'est pas mort, absolument pas. Mais c'est pas en ayant mis un événement comme ça que Fortnite ne va pas mourir ou quoi que ce soit. Là, très clairement, on passe dans des semaines, là, le fait qu'ils aient augmenté en plus le temps. De durer cette saison, c'est clair que là le jeu il va tourner en rond, les gens ils vont péter un câble, et c'est pour ça qu'ils mettent les FNCS solo. Enfin voilà, ils vont essayer de refaire tout ça, mais il faut qu'ils remettent du contenu Fortnite Battle Royale. Parce que très clairement, ça fait combien de temps qu'on n'a pas une nouveauté, sincèrement? De nouvelles armes, de trucs comme ça. La dernière chose qu'ils ont rajouté, c'est l'AK, s'il vous plaît. L'AK elle était déjà là avant, donc voilà, mais non, il faut qu'ils fassent quelque chose très clairement là. Jusqu'à début juin, ça va être super long. Ça va être super super long. Il reste un mois en plus, alors que ça aurait dû finir là le 27 avril. Normalement, la saison aurait dû être terminée. Donc voilà, enfin, voilà, faut qu'ils rajoutent des trucs. Et l'événement, ok, ça a été ouf, mais franchement, ils font de la merde, tu vois. Ils font les skins, ça fait genre 3-4 ans, enfin. 3-4 ans, non, j'abuse un peu, je voulais faire genre, mais pour faire comprendre en gros que ça fait super longtemps qu'on n'a pas eu de nouveau skin ou des choses comme ça. Mais voilà, après l'événement était ouf, tout était bien, enfin franchement il était bien bien préparé pour faire ça, il n'y a que Fortnite et tout. Mais putain, faut qu'ils mettent des trucs dans tout ce qui est compétition, le côté co compétitif. Et là c'est vraiment le côté random de Fortnite en fait. Là ils font plaisir entre guillemets à des gamins quoi, enfin à des gamins, à des gens, bon voilà, moi tu vois, moi j'ai 20 ans et tout, j'ai bien aimé le truc, mais voilà, sans plus quoi, tu vois, j'ai bien aimé, mais on va pas dire que j'ai pris mon pied de ouf quoi. Et faut qu'ils rajoutent des trucs, parce que là les gamins qui vont dire, oh Fortnite c'est trop bien, c'est ceux de 11-12 ans, tu vois. Et même ceux qui sont encore matures à cet âge-là, ils vont se dire, ouais putain, mais ça dure que 15 minutes quoi. Donc voilà, je sais pas si vous êtes du même avis que moi, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je ferai un plaisir d'en débattre avec vous dans les commentaires. Donc voilà, on a peut-être le même avis, ça se trouve vous n'êtes pas d'accord avec moi, donc n'hésitez pas à dire, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi. C'est pas grave, vous avez le droit d'avoir votre avis. Voilà, j'avais envie de faire un petit débrief de cet événement, parce que malheureusement j'ai pas pu le faire en direct, en live ou un truc comme ça. Donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Trisox, prenez soin de vous. Ciao ciao.